Oui, Bandeko, bolimbi si mingi, parce que il y a un camarade, un frère qui a appelé pendant que j'étais en ligne. Comme je vous ai dit, je suis dans un parc au centre-ville de Londres, il fait 28 degrés. Je ne peux pas rester dans la maison et j'ai voulu. C'est le déconfinement qui commence. J'ai voulu sortir un peu, mais nous gardons toujours nos distances. Vous voyez que tout le monde est là, chacun est, garde distance. Ceux qui voyaient Bani Bovandi ensemble. Sinon, il faut prendre beaucoup de distance avec les autres. Donc, naye awa ko pesabino mbote. Je viens d'être juste libéré par Zuckerberg, mon collègue à Facebook. Pendant 4 mois, 5 mois, je n'avais pas le droit de faire bah direct. Mais il vient juste de me libérer. J'ai dit que je vais saluer quand même mes frères et mes soeurs. On a salué bah, combattants, bah, résistants, on appelle ça Nguya. La force, il y a qu'à continuer Moussala parce que Moussala est en bon canal de facilité. Votre grand patriarche est toujours là, jour et nuit. Nous sommes concentrés dans ko kanisa ndengenini mboka na biso et ko se libérer parce que dans 6 jours on aura totalisé bientôt 60 ans il y a indépendance depuis 1960. Mais qu'est-ce que nous avons fait de notre pays? Zéro. Zéro. Et ça fait pleurer. Bande Kunangaï, ba Congolais. Bande Kunangaï, oyo bazana na Kati Yanzela, Lelo. Le 24 juin 2020. Bobi Mananzela te soki tozwi Joseph Kabila na Chilombo te. Chilombo, c'est le complice de Joseph Kabila. Chilombo, il faut Akangama avec son complice Joseph Kabila. Je demande aux militaires, je demande aux policiers, je demande à notre peuple. Bokangelangai Joseph Kabila vivant. Bokangelangai Chilombo vivant. Bako passer dans le jugement. Militaire Moko a au pouvoir. Atia ordre constitutionnel. Et puis, toque dans l'élection dans 6 mois, 8 mois. Comme ça, démocratie est zong Mboka. Pouvoir, il y a Mboka, et zong là-bas na Congo. Et en même temps, ordre. Et comme en Mboka Congo. Pour le moment, le pays n'est plus dirigé. Un président de la République prend un décret. Et le ministre de portefeuille dit, je ne veux pas exécuter. Oh. C'est du jamais vu. Ce pays n'est plus dirigé. Et Kabila s'arrange derrière les Minako et dit, nous devons contrôler maintenant le système judiciaire. Il faut que magistrat, Babanda, Koyoka, Mibeko et Outi Epayi, il y a Joseph Kabila. Minako, ce sont que des instruments. Les Mabunde sont des instruments. Il y a Batou sur Rwandais. Et Balingi Sikoyo, comme ils ont déjà contrôlé le Parlement, le Sénat, les provinces, ils contrôlent tout. Maintenant, ils ont compris avec le procès Kamere qu'il faut contrôler rapidement le système de justice. Sinon, Bakangabiso Ao. Et c'est ça le problème qu'il y a maintenant au Parlement avec une fausse loi, il y a Minako. Mais moi, je vous dis ceci. Je vous dis ceci, peuple congolais. Ils ont le problème, il y a au Bakawewa. Ils ont le problème, il y a au Batuayi de Peste. Non, c'est le peuple congolais qui est sur la rue. Qu'est-ce que Chilombo a donné à ces jeunes gens depuis 1 an et demi? Zéro. Qu'est-ce que Chilombo a donné à lui de Peste depuis 1 an et demi? Zéro. Vous avez la preuve. Vous avez la preuve. Chilombo vient de nommer ma mandataire. Il y a entreprise de l'État. Non. Chilombo vient de prouver que c'est une main, c'est un pantin. Il y a bas terroriste, extrémiste, d'aussi. Et moi, je viens ici vous dire ceci. C'est maintenant ou jamais. Moutouté Azong Anandako. Moutouté Azong Anandako. Bokangelengai Chilombo, na complice naye, Joseph Kabila, ou alias Kabila. Le Tutsi rwandais qui s'est faufilé avec un faux nom, une fausse identité,
un nom d'emprunt de Joseph Kabila. Bokangelanga batu nyonso mi balewana na batu baninga na bango nyonso mutute azonga na ndako. Bokanga chilombo, bokanga complice na ye alias Joseph Kabila. Et je demande aux militaires, un coup d'état est nécessaire maintenant pour mettre de l'ordre dans le pays. Le pays n'est plus dirigé. Si un président de la République prend un décret et qu'un ministre lui dit non tout le temps, ce n'est plus un président de la République, c'est un carton. Un carton vide. Oui, parce qu'on va Fati Béton pendant une année et demie. Bakende Koubalouka Bachit Nabango. Le Congo n'est pas dirigé. Nous voulons maintenant que le Congo ait de l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel. Il faut un coup d'état militaire pour qu'on puisse réparer le Congo. Le Congo fait la honte du pays. Pour le procès Kamere, je félicite le juge, je félicite le juge président. Je lève mon chapeau pour le juge Nyangi qui a été tué, assassiné devant nous tous. Et nous voulons que sa mémoire soit honorée par le peuple congolais et l'État du Congo. Et nous disons bravo aux avocats de la République, principalement et spécialement au professeur Kalouba et à l'avocat Coco Kayoudi. Ils ont fait un travail de titan, ils ont montré que c'est encore possible et que la justice peut se faire au Congo et que le Congo a encore des capacités qui peuvent effectivement faire quelque chose d'important pour notre pays. Ça veut dire que les Joseph Kabila peuvent être arrêtés et jugés au Congo. C'est possible et ça a été montré à la face du monde par le magistrat. Donc, le juge président a commencé par juge président Yangi, qui a été assassiné sous nos yeux par Kamere et les Hezbollah. Et nous avons aussi remarqué l'intelligence. Il y a avocat de l'État, donc le ministère public, et professeur Kalouba, que je salue en passant, plus son confrère, le bâtonnier, et Coco Kayoudi. Ça, le monde entier a évalué, le monde entier a vu qu'il y a encore des compétences sur lesquelles le Congo peut compter, sur lesquelles on peut bâtir la justice. Bango wana bayebi ba collègue na bango, aux capacités, na crédibilité intellectuelle, na crédibilité Yabomoto, valeur, il y a quoi ça la droit, le kola bango. Donc c'est sur eux que le Congo peut compter. Alors, comme je suis dans le parc, en train de prendre un peu l'air frais, parce que nous avons été confinés presque 4 mois, bien mon Botala. Botala place Nazali. Botala, donc on est déconfinés, mais chacun prend sa distance parce que l'État, avec ses experts. Au niveau médical, nous ont demandé de sortir, mais d'être prudent. Personne ne peut s'asseoir avec des gens qui ne connaissent pas. Et petit à petit, on nous déconfine. C'est un pays organisé. Je suis au centre-ville de Londres, dans un parc, pas loin de Sa Majesté, la Reine de l'Angleterre. Donc, je vous salue tous et je vous dis, comme je suis libéré maintenant de la prison de Zuckerberg, mon jeune frère là, le propriétaire de Facebook, qui sur instruction, il y a Hitler noir qui est au Rwanda là-bas, le tout sur génocidaire, sanguinaire, le terroriste Paul Kagame, avec ses services, et aussi avec alias Kabila, et même Chilombo, mon fils. Ça fait 4 mois, 5 mois. Je ne peux pas parler comme ça avec vous. Donc, je sors tout droit de la prison et je suis venu me reposer ici au parc. Donc, je vous salue, je vous bénis et je vous embrasse en vous disant, c'est pour bientôt.
mais oyo bazana nzela babi mate na lingi bokangela nga chilombo na complice na ye wana ya alias Kabila ba militaire basala coup d'état to maître de l'ordre pendant les 6 mois qui arrivent on fait les élections nous tous nous allons revenir et le militaire qui fera le coup d'état pendant aujourd'hui ou demain ou après-demain il aura mon appui et je viendrai pour l'appuyer avec toute la résistance patriotique congolaise mondiale et la diaspora lui sera reconnaissant et le Congo aussi que ça soit quelqu'un qui a autant de fautes au Congo mais Kangela Ngai alias Joseph Kabila Nachilombo comme ça tobanda kotia ordre na mboka na biso le pays n'est plus dirigé Chilombo a perdu le contrôle Dieu doit bénir ba Congolais nyonso ba telemeli problème ya ba Minako c'est un petit poisson c'est Joseph Kabila qui veut contrôler le système de justice pour qu'il ne soit pas jugé au Congo parce que nos frères qui ont jugé Kamere ont montré que c'est faisable au Congo. Personne, nous n'avons pas un oncle quelque part qui attend de faire la justice du Congo. Mais tout le monde s'est demandé, est-ce qu'on peut le faire au Congo? Et à travers le procès de Kamere, le braqueur de la République, hein, le voleur là, de autant de milliards du Congo, parce que ce n'est qu'un petit dossier là, comment on appelait ça? Les maisons préfabriquées, un petit dossier. Mais les 100 jours, ça comprenait à la fois. Ça comprenait à la fois les écoles, les routes, les autoroutes, hein, les hôpitaux. Ça comprenait tout. Les écoles gratuites et tout ça. Et ce qu'on a jugé, c'est juste une petite portion du programme de 100 jours. Mais si on ouvrait tous les programmes de 100 jours, mais on peut condamner ces messieurs-là à mort 100 fois. Avec Chilombo aussi n'est pas loin, sa maman, sa famille, tout le monde n'est pas loin dans cette affaire-là. Mais du moins, tous les gens qui ont été à Chilombo, à Genève, à Kendana et à Kigali, là, il est dedans. Maintenant, who is the next? Alias Joseph Kabila, Chilombo lui-même, et puis, le Tambwe Mwamba, les Lambert Mende, tous ces seigneurs de guerre, les Rouberoua, les Nyarugabo, tous nous devons les arrêter et les juger au Congo. Voilà la peur bleue qui les a habités. C'est pour cela qu'ils ont demandé à Minako et consorts, Bakende Mbangu, pour pas contrôler le système de la justice. Mais moi, je vous dis, nous sommes là-dessus, un de ces jours, mais dans l'entretemps, nous avons une bande de biso. Le col est bobimi, bozong na simate, bokende ti na kingagati, bokende ti na kanchachi bozo langa Chilombo, na kingagati bozo langa Elias Kabila. Ba militaire, ba sala coup d'état, comme ça, tous les makamuna maboko, ils auront mon appui et l'appui de la résistance patriotique congolaise mondiale. Je vous salue, j'ai tout dit et je vous remercie. Nzambe Asunga Congo. Le Congo n'est plus dirigé, Chilombo a perdu le contrôle. Maintenant, ça demande un coup d'état militaire pour que nous puissions mettre ensemble les choses en place et que nous puissions restaurer l'ordre et la sécurité dans le pays. Que Dieu vous bénisse tous, je vous aime beaucoup. Je suis dans un parc, comme vous voyez là, au centre-ville de Londres, et je vous salue et je vous embrasse. Voilà. Zuckerberg a permis aujourd'hui que je puisse m'adresser à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.